Donc on rappelle bien pour tout le monde, le gilet pare-balles, là c'est une obligation comme tous les soirs, mais là encore plus. Voilà, c'est tout pour moi, monsieur. Ok. Bonjour, TN33, sortie de TJ103, 1 plus 1, boîtier 53-25. Ouais, si vous êtes dispo, en compte de Saint-André, on a des collègues pour la détenue, apparemment ça ne s'est pas très bien passé sur place. C'est reçu, je fais mouvement. Saint-André, le mieux, c'est que je coupe où? Bah, il est à l'accueil, non? À gauche, je crois qu'il est aux urgences, ouais. Ouais, c'est la prochaine. TN33, TJ103 sur place, Saint-André. Oui, c'est bien reçu. TJ103, le plus arrivé. Tu es calme, moi. Tu es calme, moi. Non, t'es pas calme, là. Ouais, on ramène. Attention à son bras. Alors c'est un individu qui a été amené au peut-être Saint-André pour des examens. Cette personne ne souhaite plus avoir les soins, donc du coup on va le ramener au dépôt. On avance. C'est ça, coucher, c'est bien. C'est le garde à vue de ce matin, là? Non. Enfin, le transporter, est-ce qu'il s'énerve un peu? On va... Ouais, tu te mets en latéral? Voilà. Tiens, sa petite blouse. Tiens, la blouse. Toi, tu fermes la porte. Ouais, comme ça, parce que comme ça, ça lui évite de s'énerver. On va aller une garde de moi, c'est bon. Bon, à Saint-André, le calme est rétabli. L'individu a été pris en charge par le TC-102 pour effectuer le transfert sur le central. Ouais, c'est bien. Voilà, encore un qui s'automutile en se tapant la tête sur les fenêtres et puis qui va aller raconter que c'est nous qui lui tapons dessus. Ouais, oui. Un grand classique. Bon, comme ça, il va voyager dans les meilleures conditions pour tout le monde. Il va se calmer et puis... Il va arriver en meilleur état. Parce que c'est vrai que c'est pas facile à gérer dans la voiture. Là, il y a plus d'espace. On va refaire le tour des capus pour avoir descendre le cours de la main. Comme ça, on va faire la fermeture des dernières boîtes et puis on va s'assurer que c'est tranquille. Ce sera bon. Début du spectacle. Bon, on vient d'avoir un début de rixe, on a un individu inconscient sur les véhicules en option. TN33, TJ103, rue Saget, je fais mouvement. On est les enfants de monsieur. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, y a personne qui rentre en rien ici. Pardon? Ah oui, y a pas de pardon. Dans ces cas-là, on se fait pas remarquer, on fait pas le beau. J'aimerais avoir votre identifiant. Oui, mais. Vous savoir. Arrête, oui. Alors déjà, on va commencer par le début. C'est que vous allez nous présenter le pièce d'identité, après on va voir. Allez, on va aller là-bas. Non, vous restez ici, c'est pas vous qui décidez ce qui se passe. Je respecte ces gens, je vais t'enculer. Respecte tout le monde. Arrête de faire ça, gros. Vas-y, s'il vous plaît, occupez-vous de mon frère, s'il vous plaît. Ouais, ben c'est ce qu'on est en train de faire. Je travaille au-dessus de vous. Et vous demanderez à votre mère, ce que c'est. Eh ben on verra. Moi, en tout cas, je porte plainte, sachez-le bien. Ouais, vous déposez plainte. Il y a pas de souci. Moi, j'en ai dans ma famille, madame. Très haut placé, vous sentez ou quoi? Mais là, essayez, soyez respectueux de notre travail si vous avez quelqu'un de très haut placé dans la police. Mais parce que vous croyez qu'on ne le respecte pas, votre frère? Il y a quelqu'un qui a pris son téléphone, qui appelle les pompiers, et la police arrive. Merci, je vous demande juste. Bah, vous avez une façon de me remercier. Vous voulez mon matricule et déposer plainte contre moi? Comme ça, vous remerciez les gens, vous. Vous avez des maladies connues ou pas? Maman, je vais dire un truc. Il y a 2, 3, 4 policiers, il y en a un, il m'a dit, bon, bah, les couilles, en gros, ton frère. Ah ouais, quand vous serez en meilleur état, monsieur, vous raconterez la vérité. On dit pas aux gens qu'on s'en fout, qu'on s'en bat les couilles. Vous pouvez me la passer, moi, je vais l'expliquer tranquillement. Parce que moi, je suis en bon état pour parler, moi. Ouais, mais... Moi, je suis sain. Oui, mais bien sûr. Mais vous ne lui racontez pas l'histoire dans ces cas-là. TN33, TJ103, vous m'avez contacté?
Ce sont des fils de collègues dont la mère serait une personnalité de la police, donc n'arrête pas de nous balancer ça à travers la figure. Elle a eu sa mère en téléphone pour lui raconter notre intervention. Une question à vous poser. Demain, vous aurez votre gamin. Il serait là. Mais on est bien d'accord, monsieur, mais je vous explique une chose. Mais oui, mais il faut nous laisser travailler dans ces cas-là. On connaît le truc. Pendant que vous nous prenez la tête, on n'a pas le temps de travailler comme il faut, prendre les renseignements, ainsi de suite. Allez, vous avez raison, c'est bon. D'accord, merci monsieur, merci. Bon, vous vous calmez, votre frère il va aller à l'hôpital. Hein, et puis il va te soigner, mais c'est rien ça. Votre frère demain, quand il va aller mieux, vous l'amenez au commissariat de police et vous déposez plainte. Et il y a des caméras ici, on verra tout. Merci monsieur, merci pour tout. TN33 de TJ103. Concernant la victime des quais de Palidap, elle est transportée au tripode. Son frère qui nous avait pris à partie, est retombé, la tension est retombée. Donc en fait, sa mère serait gendarme à Mérignac. Parce que je suis pas très bien. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Ah ouais, au revoir. Deux affaires différentes, effectivement. Le porteur des T'es juste un peu chiant. Ouais, il faut toujours qu'ils aient un point de fixation pour passer la colère. Donc là, ce monsieur voulait déposer plainte. Bah, qu'il le fasse, hein. J'ai 35 ans de carrière et 35 fois, j'aurais dû être évoqué. Il y en a peut-être un qui va y arriver, mais à la retraite. L'Oscar Jack Daniels, pour l'année 2014, est remis à... Ah, la mère, elle a raccroché, elle a même pas voulu lui parler. Qu'est-ce qu'ils se mettent? Je te dis pas les remontées gastriques qu'il doit y avoir l'après-midi quand ils se lèvent. Oh, oh, oh. Ivre et au téléphone, encore une victime potentielle. Et ils risquent de rencontrer notre Zidane local, là. Celui qui leur pique les téléphones. Ah, je le connais pas celui-là, il fait comment? Bah, et tu sais, il arrive à côté de toi, il fait semblant de dribbler, il s'appuie sur toi, et quand tu repars, t'as plus le téléphone ou t'as plus le portefeuille. Pas mal. C'est pour ça qu'on appelle ça le vol à la Zidane. Ouais, vous pouvez nous faire parvenir un véhicule pour interpellation suite à l'incident secondaire 500 vols au niveau de l'arrêt de bus de la cité Saint-Jean. Ouais, c'est ça, c'est très bien. TJ103 également. Bien sûr, c'est devant nous. Il m'a mis droite là. Oui, mais n'en profitez pas non plus. Alors ton portable, tu l'as perdu, c'est pas mon problème. Sors pas, c'est pas grave d'assumer des trucs, connard. Bon, vous arrêtez de crier, mademoiselle, s'il vous plaît. Caro, oh. Le gars là, c'est une chale, mais c'est lui qui a foutu une droite. On est en train de prendre des photos tous ensemble. Comment ça peut les choquer comme ça, s'il vous plaît? Ça tombe tellement de rien. Ah, les gros bâtards, on m'avait volé mon portable. Votre, il me faut une droite. Oui, c'est pas eux. Mais c'est pas eux. Merci. Voilà. Bon, allez-y, non mais arrêtez les esclandres, il y a des gens qui... On est... Monsieur, bon. On est d'accord. Arrêtez, c'est bon. Touche pas. Entrée de jeu, turcure. Toi, tu vas finir en ligne. Le premier qui branche, je le démonte. C'est clair? T'es bien contre le mur. T'as compris? Arrête. Et tu bouges plus. Baisse tes bras, les mains le long du corps. Je voulais récupérer mon portable. Eh ben ton portable, il n'est pas ici. Alors la prochaine fois, ou vous picolez moi et vous gardez votre portable, ou vous prenez pas le portable et vous continuez à picoler. J'ai pas envie d'avoir d'embrouille, monsieur. Bon, vous prenez soin de votre ami, vous prenez votre blouson, hein, et puis vous évitez qu'il embrouille les autres. J'ai du sang sur la veste. Ouais, bah ça par contre... C'est parce qu'on s'est battu. Hein. Mm-hmm. Double fracture du foie. Il n'y en a pas un pour récupérer l'autre. Hein. Il faut toujours surréagir un tout petit peu avec les gars bourrés. Si on les laisse faire, ils montent en pression. Ouais, oui. Donc il faut les faire redescendre. Le jour se lève, là, normalement, ça fait fuir les idiots, ça. C'est bien, cette heure-ci, le Bordeaux qui se réveille. Vous allez patienter. Voilà.
Position libre, tir à deux mains. Attention. Top. Là, on va effectuer un tir. Après, une petite course déplacement à 10 mètres, sortie de l'arbre. Position de riposte, deux cartouches. C'est bon. Au top départ. Top. Donc c'est bon, là t'es dans l'axe. Par contre, là tu vois, s'il y a une protection balistique, cette cartouche elle est inopérante. Donc tu vas venir faire le même travail que sur celle-ci. C'est-à-dire que là, elle est au niveau de l'épaule du bras armé. Donc là, c'est bon, je pense que l'individu est neutralisé. Là, l'objectif est atteint, donc là, c'est bon. Ok. Bon, mais vu ta séance de tir, t'as plus qu'à payer l'apéro. Hein. Moi, j'ai tout mis dans le bide. Parce que j'ai rien mis dans le bide. Et toi, t'as mis tout à côté. Donc, n'importe quoi. Et tant que carotte. Bah oui, c'est ça. C'est plus que c'était, les chefs. Ça sait plus rien faire. Faut qu'on fasse tout pour eux. Putain, ça, quand je vois ton tir, ça me fait chier un peu de tourner avec toi quand même. Oh, celui-là, mon pote. Oh là là. Prévenir madame, un radar, son fils mineur Bruno est au car. Et il faut qu'elle vienne le récupérer de suite. Elle est du parc de Bacalan. Ouais, c'est prêt, on y va. Tu vous êtes ? Non. Allez, du parc de Bacalan. Ouais, 3300, vous pouvez me citer avenue du parc de Bacalan ? Vous êtes à Bacalan ? Oui, je vais. Côté du boulevard Albert Brandenburg. On y est. Ouais, c'est prêt. Oui. Bonjour, madame. Oui. C'est la police. Vous pouvez nous ouvrir ? Tu entends ? Elle soufflait. Elle soufflait ? Ah ouais. Elle a soufflé, quoi. Bonjour madame, il y a votre fils qui est au commissariat, il faudrait venir le chercher. Pourquoi vous n'irez pas le chercher madame ? Parce que ça fait trop souvent que j'y vais. D'accord. À peine sorti, il faut qu'il y rentre. Il y est pourquoi au commissariat ? Ah ben parce qu'il vole. D'accord, très bien. Ben il va finir en foyer. Hein. Ouais, donc la maman ne veut pas venir récupérer son fils, puisqu'elle en a marre de venir le récupérer au commissariat. Pour elle, elle vient trop souvent. J'attends qu'il ait 18 ans pour ne plus ouvrir la porte. Il est majeur quand, vous dites ? Après toute la journée. Il est majeur quand ? Au mois d'octobre. Au bout d'un moment, vous vous lassez de tout ça. J'adore mon fils, mais toutes ces conneries, mais j'en ai marre. Et son papa ? Sa discrétion ? Il n'existe pas dans sa vie, donc ni dans la mienne. Enfin bon, ça c'est autre chose. Non, quand il a su que j'étais enceinte, il m'a dit « Ciao, je vais réfléchir ». Bon, ben, ça fait bientôt 18 ans. Parlez. Il faut essayer de comprendre vraiment et expliquer qu'il est responsable vis-à-vis de son enfant. C'est un mineur, donc il peut y avoir une procédure derrière de délaissement de mineur. Vous avez entendu ? J'ai pas entendu. Non ? Donc, nous ont demandé de vous rappeler que que c'est un mineur, donc vous êtes responsable, qu'une procédure contre vous pourrait être mise en œuvre pour délaissement de mineur. Si vous venez pas le chercher. J'en ai tellement fait pour lui. Je crois qu'il n'y a jamais une mère qui en aura autant fait pour lui. D'accord. 33-108. Ouais, donc la dame n'en peut plus de son fils. Hein. Il est majeur dans 5 mois. La procédure, elle s'en fiche également. Elle ne déplacera pas au central. Vous pouvez quitter les lieux. Ouais, reçu. Si la dame change d'avis, elle peut joindre l'enquêteur à quel poste ? C'est les collègues qui s'occupent de votre fils. Oui, c'est toujours. C'est les services de car, c'est en bas, sur le rez-de-chaussée, à l'accueil. Hein. Bon courage. Au revoir.
Allez, de Bacalan, on a quitté les lieux, c'est reçu. Ceci fait des sœurs. Le désarroi d'une maman. Ça fait de la peine, hein. J'ai du mal avec ça. Tu vois, c'est quand même délicat, quoi. Et lui, il s'en fout totalement. Bizarre, ouais. Il faudrait deux claques. Hein. En plus, elle a tout essayé. Elle a tout essayé. Bon, il va falloir que l'inter est un peu plus gay quand même. Allez, voler, fais demi-tour. Laquelle ? La Ford Blanche. Ouais, 33 TV108, on est derrière un véhicule volé, corridor variant. On va le contrôler, il a actuellement arrêté un feu rouge. Coupez le moteur, monsieur. Coupez le moteur, s'il vous plaît. C'est à qui la voiture ? Derrière moi, j'ai ça. Bah, je vous prends ici, vous avez mal ? Et, 33, vous me confirmez déjà le vol, s'il vous plaît ? Oui, donc vol confirmé, septembre 2013. Ouais, c'est pris, donc interpellation du vous conducteur. L'avez retrouvé ? Oui, elle était à la fourrière. À la fourrière. Oh putain. Annule. Ouais, 33 s'il vous plaît, ça serait une erreur, il aurait retrouvé son véhicule à la fourrière. 108, est-ce que c'est bien reçu pour Jean-Joseph Charles? Ouais, c'est reçu pour monsieur Jean-Joseph Charles, donc effectivement c'est bien le conducteur du véhicule, donc il a récupéré son véhicule. Vous faites un avis car quand même, nous on va inviter le monsieur à nous suivre afin qu'il enlève sa plainte. Immédiatement. Vous avez signalé les faits au commissariat que vous aviez retrouvé votre voiture ? Non. Non ? Vous pensez l'avoir récupéré Vous avez consommé de l'alcool un peu, monsieur ? Non. C'est sûr ? Ça sent un peu le vin, non ? Ouais, un peu. Un peu beaucoup, hein ? Vous savez que l'alcool et le volant, c'est pas bon ensemble, non ? Ouais, je sais, ouais. Ah. Vous allez me retirer encore mon permis ? Encore ? Pourquoi encore ? Pourquoi encore ? On vous l'a enlevé alors ? Vous allez me le retirer, mon permis ? Je sais pas, ça dépend de vous. Hein. Allez-y. C'est bon, c'est bon. C'est positif, monsieur. Ok, j'ai combien ? Je sais pas, ça, il va falloir venir avec nous au commissariat pour vérifier l'auto. Vous rentrez chez moi ? Non, non, vous rentrez pas chez vous, monsieur. Vous allez venir, je vous ai dit, vous allez venir avec nous au commissariat. Et la voiture, elle reste là ? Non, allez, on va la garer juste là. Une fois que vous serez monté tranquillement dans notre voiture, on va vous emmener au commissariat et on va la garer jusque sur le parking d'Aldi, là. Comme ça, une ceinture, ça se met, monsieur. C'est bon, vous y arrivez ou vous y arrivez pas ? J'y arrive pas. Reculez-vous. Je me suis fait baiser pour... Pour avoir bu un coup de rosé de trop, là. C'est bon, David ? Vas-y, j'arrive. J'ai pas envie d'arriver dans une cellule de déplaisement. Ah bah ça, il fallait réfléchir avant. Hein. Allez. Suivez-moi. Et faites un plan, quoi, qui vous convient. Pardon, excusez-moi. Hein ? S'il vous plaît, asseyez-vous ici. Bon, vous allez prendre une grande inspiration, et quand je vous le dirai, vous soufflerez pendant une dizaine de secondes. Allez-y, une grande inspiration et vous soufflez. Allez, encore, encore, encore. Encore. Encore, c'est bon. Ok, 1 gramme 0,6. Combien ? 1 gramme 0,6. 1,06 ? Ouais, ça fait 2,12. Faut savoir, faut multiplier par 2 le taux que vous soufflez. D'accord ? C'est le taux dans le sang qui est important.
David, tu m'as fait le tâche ? Je le refais. J'ai un délit routier. 202, équipe 1 plus 1. On vous l'a enlevé pour l'alcoolémie déjà ? Il y a combien de... Vous êtes passé en jugement ? Oui. Quand c'est que vous êtes passé en jugement ? David ? Ouais ? Tu viens, on le descend ? On le descend ? Monsieur, vous allez nous suivre, on va vous placer... on va au dépôt de sûreté, on va vous placer en cellule de dégrisement. Ok. D'accord ? Combien vous avez été pris la dernière fois ? 3,68 grammes. Combien ? 3,68 grammes. Putain. Donc c'est récidiviste. Vous avez plus que 6 points, là ? Ouais. C'est le permis. Moins 6, ça fait 0. Aussi que les épiceries avaient tendance à oublier les horaires de fermeture du week-end. Alors je vous rappelle que c'est 22h, donc n'hésitez pas à rentrer et à relever l'infraction quand vous en constatez une en infraction. On a aussi un phénomène, alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les taxis maintenant s'installent, ils montent des têtes de station sauvages, à savoir qu'ils sont à 4-5 de chaque côté, ils attendent les clients soi-disant en sortie de boîte. Donc je vais vous demander de leur demander gentiment, mais fermement, de circuler. Les têtes de station, elles sont indiquées, elles sont réglementées par des arrêtés municipaux, donc il n'est pas question qu'ils en montent des sauvages sur les quais de paludate. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour moi. Bah alors bonne nuit et bon courage. Bonsoir, TN33, sortie de TJ 103, 1 plus 1, boîtier 10, 374. Bonsoir monsieur, vous allez circuler ? J'ai un client, il arrive. Pas en double voie monsieur, c'est pas une heure d'accueil. Vous mettez là-bas dans ces cas-là ? Vous mettez un peu plus loin ? Vous mettez là. En attente ? Et puis je suis mis, mais les clients sortent pour ressortir. Ah ben ouais, mais bon, mais c'est pas une tête de station ici. Je sais. Bon, faut faire le tri là-bas. Hein. Vous inquiétez pas, on le fait là. Vous faites partie du tri aussi. Ah, c'est ouais, parce que là vous êtes passé du vert au rouge rapidement. Vous êtes passé du vert au rouge rapidement. Elle me dit que l'appellation c'est A. Tiens, regarde, ça embrouille là. Elle me dit que c'est un ensemble de bureaux sur place. C'est qui là ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir. TN33 de TJ 103. Puis on va aller le voir. Vous devez envoyer un véhicule en soutien face à la plage qu'est Paludate. On a un début de problème avec des videurs et un client est méchant. Un à la fois, d'accord. Bon, pour l'instant, vous laissez mon collègue s'est discuté avec eux. Voilà, vous mettez vous là-bas. Écoute, doucement. Mettez-vous là-bas. Vous. Doucement. Ma femme va chercher les vestes. D'accord. Voilà. C'est tout. Ah bah alors pourquoi vous vous énervez comme ça ? Et tu sais, dans la boîte, là, parce que je... Il faut gazer, il faut énerver. Non, c'est vous depuis tout à l'heure qui les insultez, là. Si, on vous a rien demandé, vous. J'ai chat avec lui. Tout à l'heure. On vous a rien demandé. Mais, d'accord, on est le week-end, tellement ils sont bourrés et tout. Et ça, on va aller. Il n'y a pas de soucis. Monsieur, oui, tranquille, tu prends pas la tête. Rentre chez toi, monsieur, je vais avec ma femme, tranquille. Attendez 2 minutes, monsieur. Oui, il faut une équipe.
Je vais te niquer ta race. Personne nique personne ici. Qu'est-ce que je vous ai dit, monsieur? Qu'est-ce que je vous ai dit? Écoute-moi. Oh, bonhomme. Hey, je serai à côté. C'est mon frère. Attends. Hey, tu vas te calmer ou pas? Toi, je parle avec la police. Hey. Toi, je serai à côté. C'est avec moi que tu parles, là. Ouais, monsieur, tu me la mets. Et tu vas te calmer maintenant? Je vais la demander. C'est pas le bon avec ta femme comme ça. C'est pas obligé, ma femme. Non, vous avez pas à vous comporter comme ça avec votre femme, vous avez compris? Vous avez compris? Sinon, je parle avec vous. Et ben, vous parlez avec moi, vous vous comportez pas comme ça avec votre femme, c'est clair? Si derrière ma femme, je parle pas avec vous. C'est moi qui parle avec vous. Si elle a le droit de parler, elle a le droit de parler. Elle a pas le droit. Moi, je parle avec vous. Vous, vous êtes de moi. C'est sa femme. Voilà, elle va le ramener. Si derrière ma femme, elle va le ramener. Elle sera à côté. Vous êtes en voiture ou quoi? C'est bon. Oh là là, vas-y, laisse-les. Bon, allez, c'est parti. Bon, vous repartez avec votre mari? Non, on va marcher. Ouais, vous n'avez pas de voiture? Non. C'est bon, allez-y, monsieur. Allez-y. Vous y allez. Vous faites le grand tour pour prendre l'air. Allez, et voilà, c'est bon. Allez-y, emmenez-le. Mais lui, je le prends. Et à l'intérieur, il a tapé sur sa femme, quoi? Ouais. Oui? À l'intérieur. Ça castagne là-bas? Ah! C'est bon. Allonge tes jambes. C'est bon. Allonge tes jambes. On te frappe pas. Oh, donne ta main. C'est... Donne ta main. Attends, regarde. Donne ta main. Ce côté-là, oui. Faut que tu vois de ton côté. Attends, on va le retourner. Allez, 1, 2, 3. Debout. Je comprends pas que. Non. Bouge pas. Non, c'est bon, les gars. C'est bon, j'ai rien sur moi, c'est bon. Et on se calme, d'accord? C'est fini maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, mais il y a un gars qui a claqué mon pote là. Non, c'est pas bon, les gars. J'ai rien à voir dans l'histoire. Ah bon? C'est moi qui me fais ma note. Non, c'est pas bon. J'aurais arrêté Bita Zot là, ça. J'aurais arrêté ça. Il va chercher sa veste, lui. C'est pas Olo, le mec qu'on a. Oui, il l'amène en IPM. Le claque en IPM? Ouais. Bon, allez, on dégage maintenant. On dégage. Oh! T'as entendu ce que je dis? On dégage maintenant, c'est fini. TN33 concernant l'Erix sur le quai de Paludate. La première, ce sera sans suite, hein, c'était un différend entre une épouse et son mari dans la boîte de la plage. Et suite à cela, une rixe entre plusieurs individus. On a extrait un des individus pour une IPM. Bon, ils sont calmés pour l'instant. Hein. Ouais, jusqu'à la prochaine. Ouais. Bon, c'est des polyconsommateurs, de toute façon, alcool et puis... Ils sont chargés, là. Ouais. Ils sont chargés en stup, ils sont chargés en alcool. Même sous contrainte, ils résistaient encore. Je l'avais au maximum de la contrainte et... ils pliaient pas. Par contre, à mon avis, demain matin, ça va piquer. Messieurs, dames, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Très bien. On vient chercher à manger. Très bien. Très bien. Tu peux nous faire 2 tubes? Ouais. C'est possible? À emporter? Il y a une sauce. Il y a une sauce costaud là-dessus. Ah, tu vas voir, c'est pas mal. Vous allez manger maintenant? Non, on va les manger tout à l'heure. Non, les réchauffe pas, on le fera tout à l'heure. Allez, merci.
Bonne soirée. Également. Bonne soirée. Bon courage, hein. Également. Bonne soirée. Également. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous. À au revoir. Au revoir. 33 TJ 103 base, bonne journée. Et voilà, une de plus. Fin de l'image. Ils sont ensemble, ils font les mots croisés. Bon, voilà, on est mal barré là. C'est ça qui distribue aujourd'hui là. Et on parle de vous, Pascal. Il parle de toi là. Ah non. Paraffé à deux. Du cerveau, tu sais. Les hémisphères, ils sont mélangés. Les hémisphères sont inversés. Ça, t'as quoi comme. Un peu de stress, mais cela ne vous empêchera pas de profiter pleinement de la journée avec vos amis. Il n'y a pas d'amis. Les amis, moi, cet après-midi, je vais me coucher. Non, non. Et puis, on n'est pas tes amis, on est juste des relations imposées par l'administration. Non, oh, mais toi, bien sûr, t'es pas mon ami. Hein. T'es plus ancien que Fred ou quoi ? Non. Hein ? Ouais, mais toi, c'est un force 1, toi. C'est un force 4. C'est... Moi, c'est un force 4. J'ai remarqué que Dominique met les mots entiers. Toi, tu ne mets que la moitié des mots. Mais c'est là. Moi, je fais n'importe 6. C'était marqué ? Foisonné. Matière scolaire, la géo. Matière scolaire. J'ai compris, matière scolaire. Vas-y, attends, juste pour voir ce que t'as mis. Non, vas-y, juste pour voir. Vas-y, bah, fais voir. Bah, si t'as rien mis, tu peux me le montrer. Vas-y, mis géo, tu vois. Oh non, la honte. Géo. Je le dirai pas, je le dirai pas. Ouais, c'est prêt, on y va. La dame a été heurtée par le cycliste, qui est monsieur. Et quand je sortais, je me suis aperçu que la dame était au sol, donc je suis venu lui porter secours. Et donc elle a un problème au niveau du visage, donc un hématome au niveau de l'arcade. Ouais. Vous avez vu le... Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît ? L'accident, je ne l'ai pas vu, moi je suis venu la dame heurtée au sol. Attends, je vais faire l'audition. Ouais. Ou avec, je vais voir les pompiers. Bonjour, messieurs. Donc, ouais, la dame s'est fait renverser par le monsieur, là. Ouais. Donc, voilà, elle présente un trauma au niveau de la face. Elle a un œil au beurre noir. Donc, voilà, elle aurait perdu connaissance. Donc, elle a perdu connaissance. Ouais, apparemment, elle aurait eu une perte de connaissance. Je vais faire audition de monsieur de suite. Ouais. Vous n'avez moi, je vais vous entendre, monsieur. D'accord. Nous, on va faire notre procédure qu'on va transmettre à la brigade d'accident du commissariat de Bordeaux. Elle sera entendue quand elle sortira de l'hôpital et elle fournira un certificat médical. En fonction de ce certificat médical, soit on reste sur une procédure police, soit c'est pas très grave, et on vous demande, on vous donnera les coordonnées de l'un de l'autre pour rédiger un constat amiable.
Là, je vous entends de suite, comme ça, ça vous évite de revenir au commissariat. Ouais. Et puis, ça sera réglé. Donc, vous remontiez. Oui, je remontais. En plein milieu de la voie. J'étais légèrement sur la gauche. Et puis, elle était côté droit, à votre droite ou à votre gauche? À ma droite. D'accord. Elle marchait tout droit et d'un coup... Elle a fait un écart et... bloqué, donc essayé de freiner. Ouais. Et je lui suis rentré dedans. D'accord. Et elle est tombée? Oui, elle est tombée. Sur le trottoir? Sur bitume, ok. Oui. Voilà. Je vais sortir les pieds des calepieds et poser le pied. Le frein de secours est obligatoire, même en rétropédalage. Attendez, il y a les pompiers qui arrivent. T'as le collègue qui est au bout, vas-y, c'est bon. Où sont les freins, monsieur? D'accord. C'est un rétropédalage. D'accord. Je lui ai déjà dit au jeune homme. Go. Il pèse combien? C'est super léger, ça. C'est un très grand ami, donc oui, il est très léger. Ouais, c'est bon, j'ai fini. Aucun dégât, on a dit, hein. Bon, vous pouvez y aller. Merci, bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Putain, elle a un cocard, madame. Putain, elle a l'œil fermé et tout. C'est tout bleu. Grosse bosse. Ouais, 33 TV108, écoute. Alors, cours du Pré-Saint-Maur pour un incendie de véhicule. Ouais, c'est bien reçu. Ouais, c'est bien reçu. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est arrêté. Bon, bah, tu vas me bloquer la route, là. Tu me laisses le véhicule, hein. Laisse le véhicule ici. Hein. Qu'ils évitent de s'encombrer, ça sert à rien. T'as la plaque, Nico? Savoir si c'est GPL. C'est une essence. C'est une essence. Je vous écoute. Ouais, TM33, si vous avez un véhicule proche, là, est-ce que vous pouvez le placer sur le rond-point André Maran, de manière à ce qu'il bloque tous les véhicules qui arrivent sur le cours du Pré? Vous avez les papiers sur vous, j'ai déjà les prendre les infos. Vous avez 112 de TM33. Carrément, la voiture elle a pris feu, non mais là moi j'hallucine. Le principal c'est que vous ayez rien, non? Je crois que c'est le plus important. Oui, c'est reçu, faites au mieux. Oui, c'est suivi. Tenez, je vous rends vos papiers. On est bien stationné déjà, c'est une bonne chose. Elle n'est pas en pleine voie. Heureusement que c'est pas moi qui la conduisais parce que je crois que j'aurais essayé de rentrer à la maison avec. Il va falloir que vous contactiez votre assurance. Il faut faire enlever le véhicule maintenant. Mais bon, il ne dérange pas, mais il va falloir le laisser ici. C'est bon, monsieur, vous avez eu votre assurance? Il voit avec un épaviste là qui peut la réceptionner, sinon il la ramène dans un garage et... Ça va, l'habitacle n'a pas été touché, vous allez pouvoir récupérer au moins ce qu'il y avait dans le véhicule, quoi. Ouais. De quoi? C'est récupérable. Ah là, je pense, je suis pas mécanicien, mais je pense que le moteur, il est mort. Il a pris feu comme ça. On en voit souvent, vous savez. Oui, 33, la circulation est réouverte, le feu est circonscrit. Donc, est-ce que vous pouvez dire aux collègues qui se trouvent à Place René Maran qu'ils peuvent réouvrir à la circulation? Merci. Oui, c'est reçu. Voilà, c'était quand même un gros truc. Vous avez été rapide. Merci encore. Oh, je vous en prie, on est là pour ça. Hein. C'est notre travail. Moi j'avais peur que ça mette le feu sur les autres voitures en fait. Parce que je me suis dit ça va exploser. Et c'est qui va payer toutes ces interventions là? L'intervention de police et de pompiers ne sont pas facturées. Est-ce que vous avez... Oui, il arrive. Ouais. Ouais, il arrive. Bon, on y va nous? Allez. On vous laisse? Oui, oui. Vous n'avez pas besoin de nous pour attendre le garage?
Transport, oui, pour le cours du Pré Saint-Maur, intervention finie, on quitte les lieux. C'est bien fait. Première fois qu'on arrive avant les pompiers. Hein ? C'est la première fois qu'on arrive avant les pompiers. C'est vrai que c'est rare. Qu'est-ce qu'on est fort ? Une rixe dans la rame de tram à Hôtel de Ville. Hôtel de Ville ? Arrêtez au-dessus, je le rappelle. Eh putain, mais bouge-toi là ! Qui est votre mari ? Mon mari est sa femme. Elle est avec ? Mais par le gars là ! Mais le gars, dès que c'est moi qui ai joué. Ah oui, bah tais-toi ! Allez, tu te calmes maintenant ? Oh, lâche-moi ! Voilà, on te lâche ! Tout le monde regarde toutes les choses qui... Chut, calmez-vous. En fait, ils étaient que trois. Que trois, la fille était dedans ? Oui, a frappé donc cette fille. L'autre en noir, là-bas, il pourrait être dedans. Et l'autre en noir, ça... Il y a la casquette aussi, là, avec le polo gris. Oui, il pourrait être dedans aussi. Ouais. Bonjour, messieurs, vous venez voir par ici ? Bonjour, vous venez voir par ici ? Hein ? Vous venez voir par ici ? Dans vos poches. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Vous avez quelque chose de dangereux sur vous ? Non, peut-être des tournevis. Pourquoi ? Attendez, bougez pas. Parce que j'ai laissé mon vélo à Capéron. À Capéron ? Ouais. Je l'ai attaché à Capéron. Oh, Non, mais vous inquiétez pas. Ouais. Voilà. Pousse-toi. Oh, j'ai peint des chiens, faites attention. Vous avez une petite dentière avec vous ? D'accord. Vous avez vu quelque chose ? Ce que j'ai vu, c'est le monsieur là, avec un autre qui est parti en courant. Oui. Il est habillé comment, celui qui est parti en courant ? Je sais pas. En tout cas, c'était un d'origine. Quelle d'origine ? Je pense arabe, vers là. Donc en fin de compte, la fille, elle était de l'autre côté. Elle a vu, elle était de l'autre côté de l'arrêt. Là. Elle a vu dans le tram le mec avoiner sa compagne. Donc elle a tapé sur la vitre pour lui dire qu'est-ce que tu fais. Ils sont sortis, du moins elle est sortie, elle a commencé à vouloir s'en prendre à la demoiselle. Son mari s'est mis devant et l'autre il lui a envoyé, il lui a envoyé des taquets. Donc il a le nez, un peu cassé. Bon, elle est légèrement blessée au genou. Ouais. Mais elle est, il y a combien de victimes, elle est choquée. On en a deux. De toute façon, vous avez les caméras en train de fonctionnement, là ? Oui. Oui, d'accord, merci. Pour partir, je peux le Bon. On y va ? Bon, on y va. On peut
Non, apparemment c'est dans un restaurant, il y a une explosion. Ouais, mais il disait le collègue tout à l'heure que le feu il avait pris sous la barrière. Non. Ça n'a rien à voir. Apparemment ça a pris dans le restaurant, il y a eu l'explosion, il y a eu des débris partout, ça aurait peut-être communiqué au véhicule. Au niveau des tâches, pour l'instant, on n'a personne. Oui. Le rez-de-chaussée, c'est parti comment ? Il me disait, collègue, une explosion. Oui, apparemment, parce que quand ils sont arrivés, la voiture commence à prendre feu, mais il y a des débris de verre partout. On ne sait pas si c'est dû à l'explosion ou si ça avait été dû à l'explosion. Il se serait soulevé et puis il aurait été déformé. Il faut voir si le car se déplace, parce que si on a des soupçons, il faut qu'il avise un peu déjà. Tout est tombé, mais je ne sais pas s'il y a eu des travaux dedans. Des tables sont mises. Les travaux, c'est peut-être à côté, là, dans les appartements. Peut-être, oui, parce que dans le restaurant, tout est tombé avec la chaleur, je pense. C'est quand même bizarre. À moins qu'en faisant des travaux à côté. Peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est possible aussi que ça. Mais pourquoi ça a explosé ? Parce que je ne vois pas de bouteille de gaz, je ne vois rien. TN33 de TJ103. TJ103. Oui, TN33 de TJ103, comme vous le disait mon collègue, au vu des éléments qu'on vous avez passé, il aurait été bon de faire les constatations sur place immédiatement. Nous, ce qu'on fera, ce sera assez succinct. Je pense que demain matin, il sera trop tard pour pleurer s'il y a des constatations supplémentaires à faire. Déjà, le fait que ce soit une explosion, et puis maintenant que les pompiers ont tout démonté, il sera difficile d'établir que c'était simplement l'accident. Hein. Mais à l'intérieur de l'établissement, on avait une clim qui s'est arrachée du mur, c'est pas par l'opération Saint-Esprit, diverses portes qui se sont ouvertes, c'est la même chose. Donc ça aurait été bon de constater les faits. La dame me dit qu'il y a un accès qui se fait du restaurant par l'intérieur. C'est-à-dire que de la porte, là, il y aurait un accès, tu pourrais y accéder. Donc elle me dit il est possible que quelqu'un soit entré dans le restaurant. Est-ce qu'elle a été forcée et c'est criminel ? Qui était mis sous surveillance. Il y a des traces d'effraction, là, c'est ça ? Ça, c'est cette porte-là, elle était ouverte ? Ouverte comment ? Ou tu l'as forcée ou c'était forcé comme ça ? Non, c'était ouvert. Ouvert. Oui. Non, j'en ai forcé qu'une, c'est en haut à gauche. D'accord. Parce que c'est frais, ça, quand même. Ça a été forcé. Là, le mec s'y est prêt à plusieurs fois pour ouvrir la porte. Bon, le principal, c'est là. C'est ici, ouais, mais rien. C'est large en plus. Ouais. Ça a l'air d'être une base de repli, on va dire, parce que ça fait un moment qu'il n'est pas occupé. Apparemment, c'est la même famille que le restaurant. Ah d'accord, ah ouais. Ce seraient deux jeunes filles qui habitaient là. Je viens d'avoir le SIC, le car arrive. Oui, ils viennent. Ah ouais, bah c'est bien. Ils viennent faire les constatations sur la voiture et sur place, depuis qu'on leur a parlé des portes qui ont été ouvertes là. Donc il doit bien y avoir un propriétaire quand même, le collègue qui regarde dans la voiture là, c'est lui qui est l'OPJ chargé du début de l'enquête. D'accord. Il est parti où c'était ? La voisine, elle confirme que le propriétaire, du jour au lendemain, il s'est barré et il a eu de gros problèmes financiers. Ouais, il est parti à cloche de bois. Ouais. Voilà.
Patrick, tu restes sur place, toi. Vous attendez quoi? Avec le parquet. Vous êtes avec le parquet, donc vous prenez la suite de l'enquête alors. Ou du moins, c'est bon. Voilà. Mais on va gérer la suite. Ouais. Ça marche. Bon, à ce soir. Bah oui. Hein? Bon courage. Oui, TJ 103 quitte le cours Balgueris-Tutenberg, retour central. Intéressant avec le travail de nuit, c'est qu'on a, on est face à une population. C'est bien, gars, tu as le luxe qui côtoie avec le populaire. Quoi, ça. C'est ça. Voilà, t'as les l'image là de la Porsche avec les briqueurs. Ouais. C'est quand même agréable, hein, de travailler la nuit. Et ça a ses avantages et ses inconvénients. Hein. C'est que tu traverses tous les quartiers. Tu vas de plus sinistre au plus joli. Ouais, on voit tous les travers de la société aussi.